monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une superbe journée. Et si ça ne va pas, je suis sûre que ça ira mieux à la fin de cette vidéo. Ah oui! Elle regarde sa copine. Le mec décide de perdre l'usage total de la vue plutôt que de se disputer avec sa meuf. Mais c'est trop bien! Une cafetière Makita. Alors pour ceux qui ne savent pas, Makita c'est une marque qui fabrique des trucs de chantier, genre des machines pour faire des travaux. Mais c'est trop bien. Mais ça c'est trop une bonne idée de cadeau pour un de tes potes qui est bricoleur. Genre c'est trop trop bien. Ça fait un petit café. Parfait. Nickel! Super sympa. Qu'est-ce que tu fais, meuf? Bravo! Magnifique jeu d'acteur! C'est merveilleux! Mais non! Mais c'est qui lui a fait des sourcils? C'est trop mignon! Un jour, tu peux lui faire une version énervée, une version triste, une version étonnée! Wow! L'attaque! Mais non! Mais c'est quoi ce sauvage? Ouais, bah il a envie que tu joues avec lui, pas que tu joues sur ton portable. Est-ce qu'il va encore l'attaquer? Oh my god, direct au visage! Mais c'est un sauvage ce chat! Am I allowed to like rock your world or not? If I can rock your world. Okay. Alors qui va gagner? Oh my god, ça va être chaud. Okay. Le mec peut pas se retenir. Go. What the hell was that? Chill out, Tyson. Oh my god, you got me. What? No. I thought you were paper. I'm sorry. T'as le mec, il a triché. Neighbors are looking. It's completely normal. It's how we bond. Love you, sweetheart. Oh my god, I just bust my nose! Is my nose bleeding? No. Non mais... Ah, dégueulasse! Oh non. If we look at the scorecard, who do you think won? Comment elle s'est mouchée dans la tortilla? Elle laisse un commentaire, dis-moi si c'est un truc que t'aimerais que je fasse avec Bogdan. Alors je vous jure que j'ai cherché sur internet voir si c'était faux. Genre si les chirurgies de cette meuf c'était juste fake pour faire des vues. Et en fait non, elle s'est vraiment opérée. Et je sais pas du tout ce qu'elle dit, mais je suis choquée par le résultat. C'est un truc de fou, la transformation, mais elle est mais dingue quoi, c'est du délire. Genre regardez, j'ai réussi à trouver une photo de la meuf avant toutes ces chirurgies. Enfin, c'est une meuf complètement normale, elle était pas moche, elle était pas je sais pas quoi, enfin... moi je comprends pas, je peux pas comprendre. Et pourtant, moi je suis pour hein, la chirurgie esthétique. Alors me comprenez pas mal, hein, je ne fais pas l'apologie de la chirurgie, mais je n'ai rien contre. Je respecte les gens qui en font, ça ne me dérange pas plus que ça. Mais là, les gens, c'est hyper bizarre. Encore elle! Oh my god. C'est trop bizarre! Genre, je vous jure, je sais même pas quoi dire, c'est un truc de fou. Laisse un commentaire et donne ton avis sur la meuf. Alors, pas de truc genre en mode elle est juste dégueulasse, faut pas être forcément méchant, hein. Les gens ont le droit d'être comme ils le veulent, tant qu'ils ne mettent pas leur vie en danger et celle des autres. Après, vu le nombre d'opérations qu'elle a eues, je pense qu'à un moment donné, elle a dû peut-être quand même mettre un petit peu en danger sa vie. Hein. Je suis de retour, je suis fatigué, ma traitement aussi est fatigué. Regardez, au lieu d'aller à 20 à l'heure, il va à 10 à l'heure, c'est grave. On est dead total. Ta femme, ta gueule. Oh la violence, le chat qui reste. Le chat, n'importe quoi, le chien qui reste là tranquille, j'adore. Toi, ferme ta gueule. Ta femme, ta gueule.
Mais pourquoi tu te caches? Comprendre ce qu'il avait écrit. Le mec est mort, mon frère, pourquoi on se cache? Cette petite fille a été bien élevée. Bah en tout cas, elle a eu la médaille d'or, donc bravo à elle. Oh non, elle est trop adorable. Elle demande aux autres filles de monter sur la première marche du podium. Eh ben ça, c'est vraiment, vraiment quelqu'un d'extrêmement bien élevé. What? C'est dégueu. Vous savez ce que je vais vous dire, voilà, c'est pas une bonne idée de manger pendant mes vidéos, mais bon, je sais que vous kiffez ça, donc écoutez, bon appétit bien sûr. C'est quoi ce pantalon? T'as le petit singe qui sort tout droit des années 70. J'aimerais tellement essayer de faire ça avec un chat. Il comprend pas pourquoi il arrive pas à l'enlever. Mais vas-y, mais je secoue la tête. Ah, t'y es presque, t'y es presque, t'y es presque, t'y es presque. Elle n'aurait pas eu le même âge, on aurait tout simplement dit que c'est une grosse. Je déconne, ceci était une blague. Je déconne. Bon, déjà, si tu suis mes vidéos et que tu es arrivé aussi loin dans cette vidéo, je sais pas où sera cette vidéo dans la vidéo, mais bon, bref, c'est que tu as compris que si tu viens sur cette chaîne en ramenant ton premier degré avec toi, ça va pas bien se passer. On va pas être copains, ça va pas marcher. Non, non. Le premier degré, tu le laisses à la maison et tu viens ici avec moi. Vas-y, rejoins-moi, installe-toi. Voilà, je te fais un petit peu de place, tu t'installes là. Mais le premier degré, tu le laisses dehors hein, parce que ça marche pas. Hein. Non, j'ai pas vu ce que je viens de voir. Non. Oh, c'est dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse. Oh, le mec s'est chié dessus. Mais c'est de la merde. Voilà une réaction extrêmement pertinente. Si t'avais pas vu le gros cake étalé sur tout le ring, bah voilà, moi je suis là hein, pour ça. Hein. Oh non, elle est en train de lire et elle est toute émue. C'est trop mignon. Ok, alors ça c'est le tout nouveau Subway Surfer. Ah bah tranquille le mec. Ah, moi j'aurais trop peur de me prendre un truc dans la gueule. Alors, inutile de vous rappeler que ce que ce garçon est en train de faire est tout simplement illégal, hein, donc n'allez pas monter sur le métro comme ça, s'il vous plaît. Hein. Merci. C'est pas une bonne idée. Hein. Mais n'empêche, franchement, c'est trop classe. Tranquille, le gars. Voilà comment voyager gratos, et puis surtout, bah, y a pas de contrôleur hein, sur le toit du métro, donc là, t'es sûr de même pas te choper d'amende. Wow! Ouais, c'est ça, c'est trop facile. C'est quoi cette patate, là, déjà? Mais moi, je suis sûr que t'as raté ton saut à cause de ta coupe de cheveux, là. C'est ça, le problème, hein. Je suis désolé. Hein. C'est comment dire c'est original. Pour ne pas dire que c'est tout simplement dégueulasse. Vous savez les mecs qui avaient une mèche comme ça longue, on appelait ça une queue de rat. Et ben là, la queue de rat, elle prend tout son sens. Qu'est-ce que c'était horrible ce truc-là. J'ai jamais compris les gars qui avaient ça. Faut m'expliquer. Hein. Je veux vomir les gars. Mais c'est pas possible. Et je vais gerber. Je peux même pas regarder ça. Je veux même pas voir en fait.
C'est... Oh non, c'est horrible. Je... Oh my god, je peux pas. Non, mais que... Oh non. Oh my god, c'est fini. Mais quelle horreur. Les chèvres, elles avaient plus de batterie. C'est quoi cette trousse? Que no va a perturbar a los compañeros de clase y lo más importante es que nadie le va a robar ni un color. C'est voilà, c'est spécial, c'est original, c'est comment dire, c'est juste horrible, voilà. Donc nous en sommes, donc voilà, en 2024 nous en sommes arrivés à tailler le crayon dans le cul d'un rat. Voilà, c'est super. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao !